Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 240 ml de lait, d'une cuillère à soupe de vinaigre, de 300 g de sucre en poudre, 120 g de beurre mou, de 2 œufs, de 1 cuillère à café d'extrait de vanille. Vous aurez aussi besoin de 20 g de cacao amer, 300 g de farine, une pincée de sel et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Il vous faudra aussi du colorant rouge pour donner cette jolie couleur au Red Velvet. Commencez par mélanger votre lait et la cuillère à soupe de vinaigre. Ça fera du lait fermenté. On met ensuite de côté pour continuer la préparation. Cassez vos œufs et venez les battre avec une fourchette. On fait un petit peu comme une omelette. Venez verser dans votre bol le sucre en poudre. Et incorporez votre beurre. On vient ensuite mélanger le tout avec un batteur. Ajoutez vos œufs. Et battez à nouveau. Ajoutez votre vanille. Puis incorporez votre cacao. Si vous voulez que le gâteau soit bien rouge vif, il ne faut pas mettre toute la quantité. Moi personnellement, je vais mettre la moitié. Et battez encore jusqu'à recevoir un mélange homogène. On vient ensuite incorporer le lait fermenté et la farine. On alterne bien les deux ingrédients et on les incorpore petit à petit. On passe ensuite à la coloration. Personnellement, j'utilise du colorant en gel et on vient doser petit à petit jusqu'à avoir la couleur voulue. Attention avec le gel, il ne faut jamais en mettre de trop parce que ça colore beaucoup. Une fois que vous avez la couleur souhaitée, ajoutez votre pincée de sel et venez rajouter également la cuillère à café de bicarbonate. Pour que votre gâteau se démoule bien, on vient beurrer le moule et on viendra ensuite mettre de la farine dessus. Ça évitera que le gâteau ne colle au moule et ça permettra un joli démoulage. Vient ensuite verser un tiers de la préparation dans le moule, ce qu'il faudra faire trois gâteaux différents. Si vous avez trois moules, c'est idéal, vous pouvez faire les trois en même temps. Sinon,
il faudra faire 3 cuissons. Dans un bol, ajoutez 300 g de Philadelphia, 250 g de mascarpone. Venez battre le mélange. On ajoute le sucre glace et l'extrait de vanille. Et on vient à nouveau fouetter le tout. On ajoute enfin la crème fraîche et on vient battre le tout jusqu'à ce que la crème monte en chantilly. Votre glaçage est prêt quand vous voyez que toutes les stries dans la crème restent bien et que ça ne s'étale plus. Donc du coup la crème n'est plus assez liquide, donc c'est bon. Utilisez une douille en étoile et venez pincer le bout de votre poche à douille pour éviter que le liquide ne sorte quand vous mettez la pâte dedans. Personnellement j'utilise toujours un verre doseur pour que ça soit plus facile et que je puisse avoir mes deux mains pour travailler. On vient ensuite décorer deux des gâteaux sur le dessus en faisant des rosaces avec votre crème. On va ensuite mettre le gâteau au frais pour que la crème fige et que quand on mette l'autre gâteau dessus, tout ne s'écrase pas. Sur le dernier gâteau, on va ensuite faire un décor, on va mettre du sucre glace et on va ensuite faire une couronne avec la crème et on rajoutera des petits fruits rouges pour décorer.